Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette du mois de mai avec des super recettes qui sentent bon le printemps. Bon, au niveau de mon petit-déj, rien n'a changé, je suis toujours une fan de porridge, vous le savez, je suis un peu obsessionnelle avec les petits-déj. Là, juste au lieu de partir sur un fruit de saison, j'ai pris des myrtilles surgelées que j'aime bien mélanger directement à mes 4 à 5 cuillères de flocons d'avoine, une demi-cuillère de poudre de maca. Et ensuite, je recouvre de lait, je le fais vraiment à l'œil. Moi, je prends du lait végétal, je mélange et je mets ça 2 minutes au micro-ondes. Donc, quand on fait au micro-ondes, c'est généralement un petit peu plus, comment dire, caoutchouteux, moins crémeux qu'à la casserole. Mais voilà, des fois, quand j'ai envie d'aller vite, j'aime bien. Et puis, ça donne comme un pudding, c'est vraiment pas mal. Puis, je mets une bonne cuillère à soupe de beurre de cacahuète par-dessus quand c'est encore chaud. Comme ça, ça fond bien. Et bien évidemment, je prends ça avec un grand verre de jus de pomme coupé à l'eau. Enfin, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo. Pour midi, j'avais trop envie d'un crumble de légumes. Ça, c'est vraiment un truc trop bon. Je trouve que j'en fais pas assez souvent. Et là, j'avais des petites courgettes comme ça que j'avais achetées au producteur du coin. Elles sont délicieuses. Et du coup, j'avais envie de faire un crumble aux courgettes. Donc, je vais d'abord prendre une botte de cébette que je vais couper comme ça en tronçons. Bien évidemment, je les rince bien pour enlever tout le sable. Et l'avantage, c'est que j'avais déjà rincé mes courgettes. J'aime bien faire ça des fois, rincer mes légumes avant de les mettre au frigo. Donc, je n'ai plus qu'à les couper. Je fais cuire 10 minutes avant mes cébettes, puis ensuite, je rajoute les courgettes. Pendant que tout le monde mijote, je vais pouvoir faire mon crumble. Alors moi, je fais absolument tout à l'œil, mais sur internet, vous devez pouvoir trouver des proportions. En fait, je commence par mettre des flocons d'avoine, de la farine, du parmesan et après, je mets le beurre. Et par rapport à ça, je compose en fait. Si c'est trop liquide, je rajoute des flocons d'avoine et de la farine. Après, je goûte et si je trouve qu'on n'a pas assez le goût du parmesan, je rajoute du parmesan. Enfin voilà, moi j'ai toujours fait à ma sauce, sans vraiment de proportion. Ça me permet de ne pas me prendre la tête et de faire selon mes goûts. Et j'aime bien rajouter des flocons d'avoine parce que ça donne vraiment quelque chose de plus croustillant et de plus consistant. Essayez, c'est super bon. On n'oublie pas d'assaisonner un tout petit peu avec sel, poivre et je préfère mélanger ça avec une cuillère à soupe, ça m'évite d'en avoir plein les mains. Je dresse ça dans ces petits ramequins, vous les avez souvent vus sur ma chaîne, je les aime beaucoup, c'est maman qui me les a offerts et ça fait toujours son petit effet, que ce soit pour des fondants ou des plats salés comme ça. Donc je dispose tout simplement ma garniture au fond. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais vous pouvez mettre un peu d'ail avec les courgettes et les cébettes si vous aimez ça. Et ensuite, j'ai plus qu'à mettre ma pâte par-dessus et j'enfourne à 180 degrés pendant une demi-heure à peu près. Mais comme toujours, je vous conseille de bien surveiller. Vous l'avez peut-être vu, mais pour la déco, j'aime bien aussi mettre un petit peu d'herbe de Provence et ça rajoute vraiment du goût. Du coup, ça donne un plat aux saveurs estivales. C'était mais excellent, on sait. Régalé, je vais refaire cette recette très vite. En ce moment, le soir, avec mon chéri, on est un peu fan de sandwich ou de croque-monsieur. Vous avez vu beaucoup circuler sur mon Instagram en stories. Celui avec du jambon, des oignons confits, du miel, des cornichons. Enfin bref, une tuerie. Et là, cette fois-ci, c'est une recette de ma composition. Donc, vous allez prendre du pain de mie et vous allez tartiner du pesto sur les deux tranches. Ensuite, il vous faudra de la mozzarella que vous allez couper en rondelles pour mettre sur votre tranche. Alors moi, cette mozza, je l'avais achetée chez Lidl et je vous la conseille pas du tout. Là, je trouvais le format rectangle un peu cool, mais en fait, c'est juste du plastique. Puis vous coupez votre tomate en rondelles, vous la disposez dessus et vous assaisonnez, donc comme d'hab, sel, poivre, enfin vous mettez ce qui vous plaît, pourquoi pas des herbes de Provence, etc. Ensuite, c'est totalement optionnel, vous pouvez rajouter si vous souhaitez ou non une tranche de jambon. Moi, j'aime bien le jambon fumé, je trouve que ça rajoute un petit goût en plus. J'ai testé avec et sans et c'est vrai qu'avec, ça donne vraiment une petite saveur en plus.
Je referme avec l'autre tranche et j'enfourne pendant 10-15 minutes quand même si on veut que ce soit bien doré à 180 degrés. Pendant ce temps, je vais me faire une salade. On mange une salade généralement avec à côté. Donc ce soir, c'était endive et concombre avec cet outil qui est juste une tuerie pour couper. Ça fait un an que je l'ai. Je vous mets le lien en barre d'infos, c'est trop bien. Je vous en ai déjà parlé, je l'aime trop. Ça facilite vraiment la vie. Et en assaisonnement, je mets 3 cuillères à soupe d'huile de caméline. C'est ma découverte, si vous voulez un peu enrichir votre alimentation en oméga 3. Moi, je prenais beaucoup d'huile de colza, mais j'ai voulu un peu changer avec de l'huile de caméline, c'est trop bon. 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique et un petit peu de levure maltée, parce que je suis tout simplement accro au goût. Franchement, ce croque-monsieur, c'est une tuerie. Si vous testez une des recettes de cette vidéo, n'hésitez pas à me tenir au courant parce que je les aime tellement que j'ai trop envie que vous les testiez. Je ne vous ai pas trop montré mes desserts dans cette vidéo, mais généralement, soit on se mange une barquette de fraises à deux, pareil, d'un producteur du coin, soit moi, j'aime bien manger un yaourt au lait de brebis, nature, sans sucre ni rien. Je les trouve très très bons, que j'achète chez Lidl. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est toujours le meilleur des soutiens. Je vous fais des gros bisous, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très très vite. Bye !